Maître Corbeau sur son arbre perché. Maîtresse, Nicolas copie sur moi. C'est pas vrai, je copiais même pas sur lui. Je t'ai vu, tu mens. Il copie et en plus il ment, mademoiselle. Bravo, Nicolas. Deux bêtises d'un coup. Ça mérite une visite chez le directeur. Allez, file le voir tout de suite, qu'il t'apprenne la discipline. Quant aux autres, maître Corbeau sur un arbre perché. Pauvre Nicolas. Dénoncer par un seul chouchou, ça c'est dur. Ça me couperait presque l'appétit si on me faisait ça. Pour une fois que c'est pas moi qui prends. Eh bien, Clotaire, 1-0. Et tu me recopieras 100 fois, on ne parle pas pendant la dictée. Et la triche, mon ami, est une pente savonneuse qui mène tout droit aux portes de la prison. Alors vous me ferez le plaisir d'écrire 200 fois cette phrase pour demain. Je ne dois pas copier sur le devoir de mon petit camarade pendant la dictée ou pendant un autre exercice. Et surtout, je dis bien surtout... C'est obligé d'écrire 2 fois surtout. Je ne dois pas mentir impunément à la maîtresse. Ça veut dire quoi, impunément? Vous regarderez dans le dictionnaire, jeune homme, et vous me ferez signer ça par vos parents. Quoi? C'est une blague? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de copier sur lui? À vouloir faire le malin, voilà ce que ça donne. Eh bien, ça me rend furieux, Nicolas. Et attends de voir la réaction de ta mère, parce qu'avec une telle punition, elle va être d'une humeur massacrante. Et qui c'est qui va en entendre parler toute la soirée? Hein, c'est moi. Alors je te remercie. Et ça te fait rire encore. Quoi? Hein? Non, mais tu te rends compte? Monsieur écope d'une punition sacrément salée et voilà sa réaction. Oh, ça va, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage non plus. Je te demande pardon. D'accord, c'est une punition, mais t'en as eu quelques-unes, toi aussi. Souviens-toi quand tu copiais sur moi. Hein? Alors ça, c'est très fort. Je suis en train de gronder mon fils et toi, tu... Et moi, je... Et d'abord, mêle-toi de tes affaires. Et pour la 1000e fois, je ne copiais pas, je vérifiais. Salut, Nicolas. Louisette, il faut vite rejoindre la bande au QG. Que tout le monde soit là-bas pour une réunion du club des vengeurs. On va se venger de ce sale petit rapporteur d'Agnan.